Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver en 2016 et d'ailleurs je vous souhaite une bonne et heureuse année remplie de jeux, de cartes, de plateaux et de figurines en tout genre. Donc première vidéo de l'année, j'en avais filmé encore quelques-unes en fin d'année précédente, je n'ai pas encore eu le temps de les monter. Donc voilà, je les diffuserai un petit peu plus tard, donc c'est en tout cas la première vidéo que je diffuse cette année. Donc je suis très content de vous retrouver pour une micro vidéo, pour une micro livraison. J'ai reçu du réassort de Force of Will, donc sur des produits que j'avais déjà auparavant, que je n'ai pas présenté ici. Donc il y a les boîtes de booster Alice, la deuxième extension d'Alice en français, donc la première extension française. J'ai reçu des protèges cartes, des tapis de jeu, voilà, je vous laisserai regarder tout ça sur le site tranquillement. Mais donc j'ai reçu aussi un réassort de deck anglais du bloc Alice, donc vous retrouvez les 5 éléments. Ça je vous les ai remis parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, tout le monde ne les connaît pas encore, donc voilà, je voulais vous les faire voir. Et j'ai reçu surtout un réassort de boîte de booster du bloc précédent, le bloc Grimm. Donc c'est l'extension G3 et G4, alors elles ont pour nom, je ne les connais pas bien, The Millennia of Ages, et l'autre extension c'est The Moon Priestess Returns. Donc c'est une nouveauté sur Ludiworld, je ne les avais pas fait à l'époque puisque je ne faisais pas du Force of Will. Voilà, donc c'est une nouveauté chez moi. Si vous en voulez, bah il y en a en stock, il n'y a pas de souci. C'est au même prix que les cartes du bloc Alice. J'ai ma petite caméra, je vais vous faire voir un petit peu l'illustration de la boîte de booster. Bon, il n'y a rien de transcendant non plus, hein, c'est une boîte de booster, mais bon, généralement on se rend bien compte. Donc voilà, vous avez le petit film avec le petit logo Force of Will. Hop! Et l'autre boîte, voilà. Tac, 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 tac. Bon, bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous montrer que je pouvais avoir des extensions du bloc précédent. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde non plus. Ça va être des boîtes. Alors, je sais plus laquelle des deux est fortement limitée, mais bientôt il n'y en aura plus. Donc, il va falloir se dépêcher. Et si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas Force of Will et que vous souhaitez découvrir, je peux vous offrir deux petits decks de démonstration. Il suffira de me contacter soit par mail, contact@ludiworld.com, sur Facebook ou sur YouTube, éventuellement, le plus simple est quand même par mail. Et je vous offrirai ces deux petits decks de démonstration. Alors faites attention quand vous recevrez les cartes. C'est des cartes en papier très très fin, c'est vraiment des produits gratuits de démonstration. Ça n'a pas du tout la qualité des cartes d'origine, elles sont nettement moins bonnes. C'est vraiment voilà pour avoir les cartes et vous faire une idée du jeu en lui-même. Donc voilà, bah ça vous me contacterez, je vous les offrirai gratos en même temps qu'une commande. Et puis, voilà. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut !